Yo, 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 yo. Ça me fait. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc nous, on est allé visiter le centre d'examen Sahara, collège canado-haïtien. Ils veulent partager avec nous le niveau de satisfaction, mais aussi et surtout de réussite de déroulement période d'examen. Donc on utilise, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur Augustin Antoine, qui parle dans la parole et qui a fait moins de presse. Ça. Merci beaucoup. Bah où, nos papiers qui reconnaissent le travail des papiers, ça l'a fait avec nous, aller plus loin dans la vie, sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc, ce moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, ça qui est parlé d'examen d'État. Et le moment ça, c'est le moment pour jeunes. Vous songez moins dans ma parole d'examen. Feeling, l'ambiance là. Et nous voyons quand même mon climat, si on a proposé, il peut me poser quelques questions, je dis, bien proposer l'examen à la portée. Parce que la direction concernée, l'enseignement secondaire, avec l'autre instance dans le ministère, c'est bail des examens qui a la portée, qui a des degrés de difficulté, qui prend en compte. Problème environnement qui prend compte, problème apprentissage là qui prend compte toutes leurs difficultés parentales et autres qui vous gagnent. Et c'est l'occasion pour nous remercier la direction de l'enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment Timounio à la hauteur. Et nous, pas tout pour vraiment nous remercier de tous les professeurs qui vraiment te répondent présent, qui te permettent. Nous avons 85 à 90 000 élèves, des coûts de rattrapage de compensation qui permettent à nouveau de faire. Alors, nous profiter de la présence permanente de visite Sahara pour m'annoncer officiellement et la rentrée de l'année académique 2024-2025. Essayons dans la région permanente d'accompagner le matin. Après, nous tous connaissons, après toute discussion qui fait au niveau du gouvernement, après toute analyse qui fait au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrer
Année scolaire, année académique 2024-2025, là, a fait 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si vous l'école. Cependant, entrée administrative, il faut être tout directeur de l'école, directeur de lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, vous commencez à recevoir par an, vous commencez à recevoir une interview pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour si nous commençons à habituer à l'environnement scolaire, à bon année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, n'a pas engagement ensemble d'action, que m'a pas dit tout à l'heure, qui permet de mettre si nous dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et année ça, thème. Nous avons restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème, restaurer l'autorité de l'école. De façon pour permettre l'école là, redéfinir l'école comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire, l'école là doit être un ciment, un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer une classe. Mais il faut taper elle. Et bien, on est très sensible sur ça, il faut payer la peur. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nomment qui ne travaillent pas. Des gens qui nomment qui ne touchent pas. Des gens qui travaillent qui ne nomment pas. Sinon, il y a des deux salariés là, on est là. Donc, on dit que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si la commande nous, même si la bataille, pour l'école là, c'est une chance pour avancer. Parce que c'est une grande route qui était pour jeter l'école là. Et on dit, monsieur, dames, journalistes, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais, on a profité l'occasion, ça a été un peu plus simple pour annoncer quelques mesures. Parce que PM l'avait dit. Et ministre, pas simplement si notre scolaire fait telle date, mais c'est qui me dit qui a accompagné le processus. Donc on est chef gouvernement qui l'a avec moi, bah, et toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plage. Et moi-même dans le secteur par moi, éducation, culture, matière éducation. Fait de route là, il y a quelques éléments, mais ce qu'elle a donc annoncé mesure. Il y a une première mesure que m'a annoncé nous, c'est appui la porte du gouvernement pour des bails par an, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 240. Voilà, amis internautes, dans le moment où on a parlé là, nous, devant l'école Canadoa, nous connaissons l'école ça, et sur l'école Gozouzou. Gozouzoun, nous connaissons Gary Kony et lui-même, il va le rendre dans l'école ça dans quelques minutes qu'a venir là. Et bien nous-mêmes, devant là pour nous garder l'école et pour nous garder comment ça fait devant Canada. Et c'est là nous y est pour nous suivre comment l'espace là lui-même lié. Fondi et Nassu, nous connaissons plusieurs et l'école et malheureuse, Timoun pas jeune fiche pour le proposer et pas de aucun Timoun qui est capable de proposer par rapport avec fiche pas qu'à jeune, et bien nous saisissons et Gary Kony pas visiter Mounsayo pour le connaître raison qui ça qui cause pas jeune fiche. Lui seulement débarqué, c'est dans le Canada, et l'a débarqué. Et pour venir garder, et nous ne connaissons pas l'objectif, la raison, mais tout simplement l'apprendre dans l'école ça, l'école et Gozouzoun ça, l'école et Grand Chirin ça, l'école Moun qui gagne l'argent ça, nous connaissons. Et ça aussi, avec la bourgeoisie, ils ne prennent pas. Et ils seulement là pour détruire. Malheureux, malheureux seulement, mais pas là pour aider aucun malheureux, malheureuse. C'est tout le monde qui partage une fiche pour le composer. Canada.
Ah, ma tante PM non et PM Gary Koni qui est pour rendre dans l'espace là dans quelques minutes qu'a vienne là et nous font camper là pour nous suivre PM non qui pourra le faire apparition là dans moment on a parlé là. Canada. Pas entrer trop nos citoyens. C'est nous qui le faisons. Bon, comment? Ça veut dire. Ça veut dire, on m'a en télé. Voilà, et nous dans l'espace là, et nous entrons au Collège Canada. PM n'a pas privé là, dans l'espace là. Nous avons suivi l'arrivée PM, nous avons parlé là. Voilà, PM qui a privé et dans le Collège Canada, nous avons parlé là.